La cam, parce que je suis habillé. Incroyable. Je suis pas à poil. Bon, on va continuer. On va continuer avant que ma fille arrive hier. Parce que je ne sais pas. Je pense que. Voilà. 2 février. C'était le 2 février ? Non, c'était pas le 2 février. Si, peut-être. Ah non. J'avais pas sauvegardé. Ah bah si, ça doit être celle-là. Hop, voilà, parfait. On va pouvoir recommencer où on en était avant que je commence à restreamer avec ma fille qui a mis un peu de bazar et du coup j'étais pas très concentré. Enfin bref, voilà. Elle était là, donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici? La cuisine. Bon, et puis bah, la cuisine, bah, y a à bouffer quoi. Normal pour une cuisine, on dirait. Qu'est-ce qu'on a là? Un tonneau avec des pommes. Cuisse de poulet, j'en ai des cuisses. Non, j'en ai pas de cuisse de poulet, donc on va pas en prendre plus. Là, hop, on va s'économiser un petit peu de place. Tac. Bien comme il chante lui. Il y a pas d'autre là? Ben non. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça. Bonjour. Ben oui, c'est difficile ça pour ton roi. Alors. Franchement, les poireaux, j'en fous là. Les poireaux. J'aurais dû les vendre ces poireaux, parce que je m'en fiche de ces poireaux maudits. Donc là j'ai 10 pommes. Ça, j'ai un petit anneau magique. J'ai 2 fougères qu'on va stocker là. Si on peut parvenir, c'est pas grave. Franchement, vu tout ce qu'on a, ça on va boire un. Puis ça, on va le mettre là. Bon. Merci. On re-range. Non. Voilà, ça nous fait de la place, ça nous fait de la place. Là, on a un pieu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Marteau, pomme. Okay. On prépare de la pâte. Ah. Hop. Non, c'est pas pénible comme menu, c'est faux. Bah, c'était une autre époque. C'était une autre époque. C'était bien aussi. Oh. Hop. Faire plein de pain, comme ça on va pouvoir tout revendre. On sera riche. Riche comme Jaja. Je peux prendre parce que du coup on a également des choses à prendre ici. Identique. Ensuite ça, ça, ça. Ah oui, non, celle-là par contre. Hop. Tac, tac, tac. De la viande crue, un poulet rôti. Ah mais ça prend tellement de place ça. Il est déjà rôti lui. Il est déjà rôti. Alors, c'est vraiment, hein, ça c'est le summum du vidéo gaming, j'ai envie de dire. Ah, trop fort. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà.
y arriver. C'est pas du tout pénible comme jeu, c'est faux. Premier que j'entends se plaindre, déjà j'aimerais bien en entendre un, mais quand même. C'est pas du tout relou, c'est complètement faux. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré, c'est mon jeu préféré. C'est chiant. Pomme. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Rappelez-vous, j'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré. Allez, on fait cuire le pain. Tout ça, c'est pour être riche, rappelez-vous. C'est pour devenir riche et célèbre. Sous-marin enchanté. Non. Mets un bout de bois au feu. Un parchemin. Bon, il a pas pris feu. Alors, bon, bah ça on va bouffer. Ah. Ok. Bon, on n'a rien d'autre. Hein. Ça non, ça non. Bon, voilà. Et bah, mon cher ami, va, va, va. D'ailleurs, ce qu'on avait fait ensuite, on va sauvegarder parce que là, c'était tellement chiant de faire toute cette bouffe. Mais ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Donc on est content. Pardon. Très content, très content. Donc ici, tiens. Ok. Ça s'est fermé. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Cool. Oh! Ah, si j'avais su. J'ai tout acheté, mais. Ok, note au roi. Oui. Activation de piège. Ok. Regardez ce qu'on a là. 5599. On est content d'avoir vu ça. On a combien en furtivité? Vraiment pas beaucoup. Vraiment, vraiment pas beaucoup.
pièces d'armure, on est à... Je sais pas. Donc, nous avons un roi qui adore les gâteaux et un roi qui ne supporte pas le vin. Sinon, il est coulante. Et regardez qui c'est qui prépare des gâteaux non-stop. La la la. Est-ce qu'on peut alcooliser les gardes? Et ça se trouve, je peux faire ça. Il y a plus de vin. Plus de vin. Voilà. Alors. Marche pas. Les bons petits gâteaux. Sûrement trop d'asticots, ouais, ça doit être ça. Retourne là. Faut chronométrer, hein. Parce qu'en gros, le seul moment où je peux y aller, c'est là quand il est là. Après, je peux le voir quand il est là-bas. Ah, oh, bah, le roi, il a un petit problème. Zut. Zut, il a un problème. Ça n'est pas possible. Dommage. Allez. Ok. Je vous ai pas dit pourquoi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Alors, souvenez-vous que si vous ne vous amenez pas des gemmes demain soir ou plus tard, vous mourrez, la confrérie des marchands de gemmes. Est-ce qu'on peut prendre ? Ok. On a pu prendre. Aller voir le roi. Est-ce que je lui mets ça dans la tronche ou pas? On va essayer sans ça déjà. On va essayer avec ça. Sauvegarde. Hein. S'en fout. S'en fout complètement. Alors, des gobelins.
c'est parti. Donc on a la réserve qui est ouverte. Et on a aussi un champ de trésor. Alors, est-ce qu'on a le droit d'être là sans qu'on se fasse, sans se faire taper? J'ai envie de faire ça là, parce que là il y a une. Wow, raté complètement. C'est un échec total. Non, c'est lui, c'est l'autre. Est-ce qu'on peut même pas sauter donc je... Plus que je peux faire, je pense, c'est l'éviter. Peut-être aller là-dessus. Oh ! Peut-être que si je vais là-dessus, j'ai pas besoin de m'embêter et je peux le prendre de loin. Peut-être. Peut-être, peut-être. On va voir. Aïe. Je crois qu'il faut que j'abandonne. J'ai pas envie, mais je crois. Okay, donc là, il y va. Donc, Racontez quand on le voit là. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix secondes. Ok. On se souvient, on a dix secondes à partir du moment où on est là. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faire de la place. Surtout ça va être fort là-bas. Ah, je peux le voir d'ici. Donc après je sais que j'ai 10 secondes quand je le vois de là. Je le vois pas. Oui. Je devrais le voir de là. Ah voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On a pris de l'or, c'est très bien. Sauvegarde. Récupérer ce qu'il y a là. Il faut qu'il sera passé. Ouh, c'est la pression là. Hein, ah, il est revenu que là. Ah ouais, j'ai tellement de temps en fait. J'ai au moins deux fois 10 secondes quoi.
Ah, peut-être pas deux fois 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on s'en va. Ok, on s'est déjà bien arrosé là. On va être content de ce qu'on a. Même si ça, j'aurais bien aimé le prendre. Ça se trouve, il y a un passage là. Hop, une pierre, non? Ça n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir, ça. Non, ça n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir. Ok, bon. La la la, c'est pas moi. Lili, c'est pas lui. Louloulou, c'est pas nous. La réserve, elle est là. Merci. Ok. Fermé. Faut qu'on trouve une clé. J'ai pas eu le temps de fouiller encore la chambre de l'autre là. Je trouve que j'ai trouvé un truc intéressant dans sa chambre. Il est plus là en plus. Parfait. Voleur quoi? J'ai rien volé. Ouais, vas-y, vas-y. Va te concentrer sur ton glorieux futur. Un catanacte, hein? Que j'ai fait. C'est pas les mêmes vins? Fiole de vin? Fiole de vin. Bonjour. Changeur. Changeur. C'est un honneur de vous rencontrer. Là-dedans. Garde. Allez, c'est bon. Toilettes sont libres. Porte. Rien de spécial. Allez, go. On y va. On y croit. On a la bonne clé, j'en suis sûr. Alors, on a la bonne clé, mais problème numéro 1. Ah ouais, ça va être relou ça. J'ai rien comme endroit pour le ranger. Ah, c'est ça que ça voulait dire.
C'est qu'il y avait un piège. Je suis bête. Alors attendez. Bah oui. 13h48, 13h50. Bah oui, c'était rouge. Je pensais que c'est juste que la couleur était rouge. J'apprends encore les règles du jeu. Donc rouge égale piégé. Donc rouge égale faut désamorcer. Donc, ce qui est malin, hein, c'est juste bah, faut connaître la règle, quoi. Un coffre. Donc là, on ouvre le coffre. Et on enlève le piège. Voilà. Hop. Et l'idole, on l'a trouvé. On a pris un niveau. Ok. Alors, bon, maintenant faut faire de la place pour l'idole. Ah putain. Incandescence, désactivation de piège, bénédiction. Alors, on va utiliser ça et ça. Certainement utiliser la bénédiction. Ça, on peut utiliser ça. Alors, attends, déjà, on va ranger. Faut encore deux places. Ça, on peut ranger ça là. Ok, plus qu'une place. On va bouffer ça, hein. Poussière d'os, poussière d'os plutôt. Donc, non, mais il faut pas que ce soit chiant là. Ah, hop. Karm Shager. Hop. L'idole des jeunes. Voilà. Ouais, il a tué le garde. Waouh. C'est vrai. Mais c'est moi qui ai fait ça, oui. Tiens, pas volé celui-là. Ok. Petite clé en métal. Intéressant. Un anneau maudit de souffrance. Ah, je peux pas le prendre, non. Si, je peux le prendre parce que j'ai utilisé tellement de choses là. Elle est où la clé? Non, j'ai déjà mise. Ah, mais non, mais j'avais déjà utilisé. Bécile. Et c'était quoi son arme? Un sabre, what? Alors, 8 de force, j'ai combat au corps à corps, j'ai pas. Mais 6 de force, ouais, c'est pas si ouf. Ok, il avait un plastron de cuir. Ah, ça, j'aimerais bien l'avoir quand même. Vas-y, ça, on s'en fout. Il ira vendre tout ça. Ah. Capuchon de maille. Là encore une nouvelle clé. Une clé pour ouvrir quoi, je ne sais pas, mais on a la clé. Et on peut prendre un niveau. Donc on est niveau 2. Prends quoi? Intelligence. Et puis crochetage. Ça, on pourrait monter à 50. Ça, à 30 déjà. Ok, intuition. Intuition, c'est pratique quand même.
Magie, on s'en fiche. Lien psychique. C'est mieux, il y aura un combat, cette compétence déterminée aussi. Votre vitesse de régénération, point de mana, je m'en fiche. Et puis on va mettre furtivité 29. Très bien. Hop là. Alors, Monsieur le Roi. Oui. Oui. Ok. Ciao. Moi, je me casse. Je me casse et puis je vais rendre l'idole aux ogres. Et les ogres, aidez-moi. Parce que moi, être très gentil avec ogre. Ok? Je me casse, les nazes. Ciao. Mon bon roi. Mon bon roi, mon bon roi. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah, mais de rien, c'est bien normal, mon bon roi. J'espère juste être récompensé. De rien. Ça a l'air d'être en effet le plus intelligent de tous. Il sait parler. Ça, c'est pas rien. Laissez-moi passer. Et puis, et ben, on va aller. On va pas repasser par les mines. Passer par là. On va repasser par là. Normalement, la forteresse est ouverte, donc je peux aller parler au chef de la forteresse qui va pouvoir m'ouvrir après ça. Aouga, tcha-tcha-tcha. J'aime pas ça. J'aurais dû sauvegarder. Sauvegarde. Viens à moi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, envie de rien. Comme j'avais envie de personne. Besoin de toi, envie de rien. Rien. Et je sais, je suis chanteur professionnel là. Ou pas. Oh. Tu vas commencer à mieux me parler là. J'ouvre. Laisse-moi passer. Pour qui tu te prends là? Oh, j'ai tué tout ton peuple, moi. Non, c'est pas vrai. Petit peu de respect. Des gens qui sont morts pour ça. Waouh! C'est fulgurant. Bah oui. Bizarre. Bizarre, bizarre. On a les mêmes. On va aller là-haut. Dégage. On va aller oh, comment ça s'appelle? À la taverne. Et à la taverne, on va redonner l'émeraude. Parce que là, on en a quelques-unes des émeraudes là. Et commencez pas à foutre le bazar. Ah, il y a de nouveau des gardes. Incroyable. C'est rassurant. Oui, ouais. Toi aussi? D'accord? C'est toi le premier, hein? J'ai toujours été gentil avec tout le monde. Tout le monde me parle mal ici. Donc bon. Va falloir commencer à respecter. Je suis ici, gentiment, bon. Pas non plus me prendre pour un tortepion, ouais. Bang. C'est qui Olivier? C'est lui?
Nemrod pour ouvrir mon coffre. Bah, on va tester. Hop. Voyageurs, si vous voulez participer à ma chasse au trésor, vous devez vous munir d'une émeraude pour ouvrir mon coffre. D'accord ? Il est où ton coffre ? C'est toi, Olivier ? C'est peut-être lui ? Non, c'est pas lui. Il est où son coffre ? Oui, oh. C'est toi, Olivier ? Ça n'a pas l'air d'être toi, Olivier. Ah, peut-être en bas ! La porte, là. C'est lui, Olivier ? Toi, Olivier ? Bon, bah, nique. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon journal, peut-être ? Il me faut rencontrer le roi d'Arx. Bon, c'était après ça. L'idole des trolls a été volée. Dans la taverne, je suis tombé dans une rumeur à propos d'une chasse au trésor organisée par un ermite appelé Olivier. Apparemment, l'astuce pour y participer, c'est de déposer une émeraude dans le coffre de ce type. Ah, il est où, Olivier ? Émeraude dans le coffre de ce type. Bah ouais, mais je sais pas qui c'est moi, Olivier. Olivier, l'arbre. Faut que je trouve un Olivier, voilà. Et quand j'ai trouvé l'Olivier, et bah du coup, c'est bon. Bonjour. C'est bon, c'est ouvert ? Ouais. Alors, tac, 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 tac. Tu m'as vraiment pas rangé ça du tout. Ça se range pas les carottes. Oui, où, Jackie ? Ici. Oui. Non, rien. On va repayer par contre au bout d'un moment. Hein. On va retourner voir le roi. Peut-être qu'on va devenir copain. Copain comme cochon. On est où là ? Ok. C'est un très joli trou. D'accord. Oh, je l'ai one shot quoi. Papa. Oh. Je suis assez fier quand même. C'est la première fois que je one shot un ennemi. C'est bon. Bah attends, mais. What that? J'ai l'impression que je fais plus mal en coup droit qu'en revers. Ah, rien de spécial en plus. Je tourne en. Je tourne around. Je tourne around. Saint-Ouen. Ah, changement de niveau. Et on arrive à Arx. La boucle est bouclée. Bon bah voilà. Peut-être que maintenant c'est bon, on peut être tranquille.
fait chaud chez vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Actuellement, moi, j'ai un peu froid dans le bureau. Faire 17-18, j'avoue que c'est pas très très chaud. Alors, c'est pas faux, dehors il y a le soleil, Joe. C'est pas pour autant que tu veux y aller. Joe. Bonjour madame. Fais un petit tour. Ça coûte pas plus moins cher, tiens. Ok. Ça coûte vraiment rien. Champignons. Champignons, j'en peux plus de ces champignons. Oh, 506. On va le garder parce que du coup, ça peut peut-être valoir le coup de l'avoir avec soi. Bon, si j'ai tout vu, il n'y a rien que je n'ai pas. Et là non plus. Ok, merci ma bonne dame. Et ben, on va retourner au château, on va voir si le roi est content de nous. J'aimerais bien acheter tous les ordres de propriété là de la mine. Je sais pas ce que ça fait. Je me demande si à la fin tu peux pas être propriétaire, du coup récupérer tout l'or de l'autre. Là. On va voir. Il nous faut plus de renseignements sur ces tremblements de terre. C'est de plus en plus préoccupant. Mais oui, je suis assez d'accord. Oh, ça rame! Ça parce que oh, je me les pèle. Je me les pèle. Bonjour, monseigneur le roi. Je vous remercie à nouveau. Ben de rien. Ah, je suis plus vraiment un étranger. Comment ça, le meurtre? Je vais mettre mon nouvel ami sur l'affaire. Vous pouvez discuter. C'est moi le nouvel ami. Que pensez-vous de ceci? Je vous propose d'enquêter sur cette secte de l'ombre. Ok. Notre ancien astronome. J'ai besoin d'une personne extérieure au château et qui n'est pas trop. Alors, comme on n'a pas le choix, on ne peut pas choisir des textes à. Ok. Garde, laissez à cet homme l'accès à tous les quartiers privés du château. En outre, cher Abshaga, voici la clé de l'île. Merci. Vous pourrez vous utiliser et y déposer quelques affaires si vous souhaitez. C'est un beau geste de votre part. N'en parlons plus. Nous avons un conseil dès que vous nous amènerez des indices sur ces événements inquiétants. Ok.
J'ai encore pris un niveau. Oh mais là c'est trop là. On va prendre quoi? Dextérité, hein. Alors, compétence manuelle plus 1. Ça. Ça m'évitera de rater des choses. Et puis ça pour pouvoir crocheter toujours plus de choses. Hein. Ça me paraît pas mal. Paraît bien. Du coup, j'ai accès à tout. Bah, je vais aller regarder un petit peu ce qu'il y a, un petit peu partout. Là. Ah, attends, j'ai reçu une clé. Ah là là. Non, pas que c'est pour tout. Je crois qu'il s'est foutu de ma gueule. Ah, bah c'est chez moi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, rien de... Oh. Ah, je dis oui. Hop. Calme, on ne rampe pas quand même. Pouvoir tout vendre. À foutre. Ouais. Ça m'embêterait d'être responsable de la mort du roi. Vous voyez ce que je veux dire. Londonshire. Un petit peu trop calme. Hein. J'aime pas très trop ça. Ok. Oh bah alors. Tiens rien hein. Bon. On va descendre. Là-bas, j'avais pu. Ils chantent tous. Ils sont marrants. Da-da-di, da-da-da. Da-da-di, da-da-da. Quelque chose plane sur Axe. C'est pas le streaming hein, qui lag, hein. C'est le jeu. Pas de dessin.
Starks. Starks. Grandes inventions. Oh, c'est un petit peu nombriliste hein, quand même. Hein. Connaître les dieux et les démons. Bonjour. Ah bah tiens. Ah! On va pouvoir se débarrasser de ça. Oh, trop bien. Ah! Ah! 50 en compétences manuelles. Ok. Bonjour Felnar. Pourquoi tu l'as tué? D'accord. Ok. En effet. D'accord. Oui. D'accord. Ah ah. Quoi ça? 6 devient 4 quand vous lui ôtez le premier. Le premier multiplié par le second fait le dernier, le dernier multiplié par le premier donne 16. J'ai rien compris, mais bon. C'est quoi ce tuto? Je sais pas. Je peux prendre ça là, sans me faire tuer ou pas? Semblerait. À toi, vraiment? Non, je crois pas. Je pense que tu te trompes. Wow, wow, wow. Tellement de choses. Alors, attends. Ça, je sais pas encore. Hein. Non, ça fait 50. Et ça, 60. Ouais, ça. Donc pour l'instant, je sais faire le bleu. Non, le bleu, je sais pas faire. Celui-là non plus. Par contre, ça, je sais faire. C'est mou. C'est mou. C'est lent. C'est le nana qui nous sépare et nous fait savoir. Eh oui, un véritable alchimiste pro. Tu es trop fort. Incroyable. Mais regardez-moi ce talent. Oh, oh là là. Ok. Ok. Ça, on peut prendre un broyer. Ça, on peut prendre les broyers. Et on range. Et ça. Oh! 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 Merde! Quel nigo! Quel nigo! Je parle vraiment comme un vieux des fois. Incroyable!
Incroyable de talent, cet homme. Orange. Véritable alchimiste pour. Fais-moi le malin là, hein? Petit con là. T'apprendras à vouloir faire le mariole. Ok. Bon, et l'autre qui aime bien les images là. Où est-ce que je peux te trouver des images, toi? Peut-être chez le. Chez l'astronome, peut-être? Ta 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 ta, je monte les escaliers plus vite que n'importe qui. Ta 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 ta, j'arrive. Me voilà. Que pouvez-vous me dire à propos de ces rituels? Réponds à ma question! Ah, c'est lui, j'en suis sûr. Aucune confiance. Quoi? Ouvre-moi ça. Je peux le faire venir ici? Non, peut-être pas. Bon. C'est la seule bibliothèque que j'ai, donc si jamais il y a un truc que je peux faire, c'est peut-être là avec lui. Hein. On serait peu sur les sorts de Dernum, mais l'origine de ces créatures mi-femmes, mi-serpents nous est inconnue. Leur peau est par endroits recouverte d'écailles. Sont-elles une espèce très ancienne ou simplement des femmes victimes d'une mutation? Personne à part elles ne pourrait lever le voile du mystère. Elles semblent adorer un dieu serpent, mais rien ne nous est connu sur ce dieu et tous les secrets relatifs à son culte sont jalousement gardés par la sororité. On suppose que les arts magiques ont été transmis à l'ordre par ce dieu, mais sans en avoir la certitude absolue, comme aucune des autres informations que nous avons sur l'ordre. Certaines légendes disent que les adorations de ce dieu donneraient à ses servantes de forts pouvoirs magiques en même temps que cette mutation qui les transforme en serpents. Mais ce fait n'a jamais été prouvé. Depuis le déclin du soleil d'Arx, les serres ont été les meilleurs alliés que les humains n'ont jamais eu. Quand notre race commença à devoir s'installer sous terre, elles offrirent leur service en magie au roi pour faire naître une nouvelle variété de plantes capables de pousser sans la lumière de l'astre solaire pour permettre de nourrir les humains et le bétail. La population d'Arx a un grand respect pour les sœurs de l'ordre d'Edernum et lui sera toujours reconnaissant pour ce qu'elles ont fait. L'histoire d'Arx, 5 tribus humaines vivaient sur le plus grand continent de notre monde. Ces tribus étaient constamment en guerre et le fait de se structurer davantage n'a rien changé, bien au contraire. Après des années et des années de guerre et d'accumulation de haine, un homme du nom de Poxelis vint et réussit à unifier tous ces groupes. Il devient le premier roi des humains. Après la dernière bataille des boucliers brisés, en l'an 170, Arx vécut sa plus longue période de paix et de prospérité. Durant le règne de Poxelis, en effet, la seule période noire fut les guerres philosophiques du conflit appelé la guerre des mages. Mais même si ce conflit fut brutal et mortel pour de nombreuses personnes, il dura en fait seulement quelques mois et n'eut pas d'influence sur le commandement politique de notre royaume. Durant le reste du règne de Poxelis, il eut affaire à face à de nombreuses menaces. Beaucoup d'invasions de gobelins furent repoussées alors que les Omras commencèrent à s'installer dans les égouts de nos cités. Les combats furent meurtriers et cette guerre injuste dura longtemps, mais les armées du royaume menées par Poxelis lui-même... J'imagine qu'il y a gagné. Oh, ça rame. Voilà. Massacrèrent les ennemis et à nouveau la paix régna sur Arx. L'exploration des océans commença. De nombreux bateaux de fort tonnage furent envoyés partout sur les océans pour trouver de nouvelles terres et de nouveaux trésors. Mais en l'an 216, une météore tomba sur notre monde. Au départ, personne ne donna grand cas à ce phénomène, mais certaines personnes visionnaires perçurent là que c'était un très mauvais présage pour le futur de Arx. En effet, quelques années après le désastre, notre soleil commença à décliner. La lumière se faisait de plus en plus rare et la température chuta dangereusement. Notre tout jeune roi Lunshire,
Le fils de Poxélis ordonna le déménagement de toute notre ville dans une ancienne mine naine proche. Les travaux furent énormes, mais tout le monde savait qu'il travaillait à son propre salut et personne jamais ne s'est plaint. Le traité de paix avait été signé avec toutes les autres races, sauf les hommes rats, avec lesquels il est impossible de discuter, mais dont les agressions se firent bien plus rares. Tous activèrent au sauvetage d'Arx. Au sauvetage de la vie. Un traité fut signé accordant à chaque race un niveau de l'ancienne mine en échange du travail fourni. Tout cela dura 5 années pendant lesquelles le soleil finit de mourir. Tout fut fait pour sauver la population d'Arx, mais beaucoup perdirent la vie. Au départ, plus aucune rancune ne parvint des autres cités du continent. Au plus, pouvait-on légitimement penser que la plupart d'entre elles avaient agi de même. Ce ne fut que bien plus tard par la guilde des voyageurs que des nouvelles fraîches arrivèrent. D'autres forteresses existaient bien, disséminées sur tous les continents, prisonnières d'une carapace de glace. La guilde des voyageurs est maintenant la seule chose qui puisse relier ces cités et faire transiter parfois certains produits de luxe de l'une à l'autre. À part ses contacts sporadiques, Arx vit en totale autarcie. Les rois d'Arx. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Repose. Merde. Là. Oui, bon, allez. Grande invention, les races. Connaître les dieux. Ça peut m'être utile. Alador créé sur Omnis, dieu du bien, semble s'être retiré pour avoir donné le libre arbitre aux humains de sa dimension et surtout la capacité à contrôler leur destinée. On le suppose très puissant, il n'a pourtant jamais fait étalage de sa puissance avant de quitter les dimensions d'Omnis. Xarm créé sur Omnis, dieu mauvais, exactement le contraire du précédent. Xarm en a voulu énormément à Alador de l'indépendance donnée aux humains. Voyant qu'il ne pouvait pas le retirer, il entreprit de tout mettre sous sa coupe en les réduisant en esclavage. Akba, créé sur Kolk, dieu mauvais, appelé le dieu de la destruction parce qu'il a totalement détruit Kolk. Il fut initialement adoré pour aider ses adeptes durant leur guerre et leur conflit. Tyrkio, créé sur Arx, dieu du bien, déteste la futilité des gens riches. Il vaut mieux vous défaire de votre or avant de négocier quoi que ce soit avec lui. Ben voilà, intéressant. J'essaye un peu tous les livres parce que ça se trouve, il y en a un qui cache des choses. Les dieux anciens. Au commencement, les dieux étaient tout puissants. Ils régénèrent durant les éons sur Arx avant que les humains ne firent leur première apparition. On sait très peu de choses sur les dieux d'alors, car ils semblèrent être courroucés de la prolifération des humains et disparurent de la surface du monde. Certains écrits très anciens relatent que cette disparition était causée par le manque de foi que les premiers mortels leur avaient témoigné. Deux des dieux d'alors restèrent un peu plus longtemps que les autres. Avant de disparaître, ils se nommaient Zaork et Krakoz. Zaork était le plus puissant des deux, il était le tonnerre, il était les éclairs, il était le tremblement de terre, les tempêtes, les ouragans, tout ce qui représentait les forces brutales de la nature. Mais sa puissance ne pouvait se libérer que grâce à Krause. Elle était la déesse de l'équité, gardienne de l'équilibre et de l'égalité. Chacun avait besoin de l'autre, peut-être que c'est pour cela qu'ils restèrent à présent plus longtemps que les autres dieux, mais finalement ils disparurent comme les autres. Les temps modernes jeta à bas les anciennes croyances des hommes. Les hommes qui pouvaient produire la magie par eux-mêmes, contrôler à leur tour. Là, oh, ça rame de ouf. Oh, la terre et les éclairs. L'homme entrait dans une nouvelle conception des choses où il croyait plus facilement à ses propres capacités qu'en s'en remettant aux dieux seulement pour des choses accessoires, telles la fertilité ou les plaisirs. Il vénérait également les dieux de la négociation, de l'or, de la chance et même des dieux pour les démunis. Mais les premiers dieux, ceux de force brutale de la création, ceux-là n'avaient plus de place au panthéon. Depuis ces nouveaux temps et ce changement de foi, les dieux les plus puissants ont donc regagné leur propre dimension, appelée le Noden, où ils attendent de nouveaux adorateurs pour leur retour. Okay. Guide des voyageurs. La guide des voyageurs fut la première institution créée à la chute du soleil de Arx. Son origine tient à quelques survivants irréductibles qui n'avaient pas voulu rejoindre les profondeurs de la Terre dans les forteresses, et la quasi-totalité de la population s'était réfugiée. Ces rares survivants développèrent des techniques de résistance au froid renforcées par l'absorption de drogues alchimiques. Ils se construisèrent leurs propres abris faits de glace et élevèrent des chiens qui, eux, aussi savaient résister au froid. Ils furent rejoints par d'autres hommes et femmes qui n'avaient pas peur d'avoir froid et qui voulaient à nouveau s'aventurer à l'extérieur,
ou rejoindre d'autres cités. De ces voyages, fut née la guilde des voyageurs, qui est maintenant le seul lien qui subsiste entre les cités enfouies. Ils sont toujours respectés et attendus avec impatience quand toutes les cités... avec impatience dans toutes les cités, car ce sont les seuls à pouvoir amener les nouvelles de l'extérieur. Super! C'est bien ça! Allez, on va lire. Toute relation envers les différentes races Starks ont toujours été difficile. Les gobelins étaient les plus répandus de toutes les races, cela étant en partie dû à leur grand potentiel de fécondité. Mais comme ils n'arrivèrent jamais à s'organiser eux-mêmes en un royaume uni, ils perdirent petit à petit leur position prédominante. À la base, les gobelins ne sont pas très intelligents. Ils possèdent leur propre langage et Baragwin, généralement le langage humain. Ils cherchent toujours querelle, irritant constamment leur interlocuteur. Ils sont aussi menteurs, lâches, arrogants et paresseux. Le seul moment où les gobelins furent les alliés des humains fut pendant la période du Grand Traité. Ils aidèrent à la construction du royaume souterrain, laissant leur agressivité naturelle et leur mauvaise manière de côté. Mais après que le travail fut fait, et une fois installés, ils revinrent à leur comportement passé. Il semble que le commerce des gemmes soit la seule activité pacifique qui persiste entre les humains et les gobelins qui tolèrent ce genre de transactions. Les trolls sont sensiblement différents. Même s'il semble que leur origine soit liée à celle des gobelins, ils sont totalement différents de ces derniers. Leur volonté est très faible et ce sont des créatures qui semblent vivre au ralenti. Ils ne sont pas agressifs et le plus souvent bienveillants, mais leur force monstrueuse et leur endurance légendaire en font autant des alliés de poids que des adversaires mortels. Leur vie est faite de choses simples comme trouver de quoi se nourrir ou encore un endroit pour dormir. À cause de leur faible mental, ils peuvent être facilement bernés, mais il vaut mieux dans ce cas qu'ils ne s'en aperçoivent pas car leurs colères sont légendaires. Les hommes rats ont eux toujours eu très peu de contact avec les autres races de Arx. Ils ne communiquent pas à l'aide de mots, mais plutôt par signes qu'ils agrémentent parfois de couinements. Les hommes rats sont particulièrement agiles, ce sont de redoutables adversaires en combat. Certains d'entre eux sont des plus grands assassins d'Arx. Ils sont très discrets et rapides, ils utilisent bien souvent les armes empoisonnées. Ils vivaient généralement sous terre et dans les égouts des cités quand les humains vivaient à l'extérieur. Le fait de se nourrir de déchets et d'excréments semble tout à fait leur convenir. Jusqu'à présent, toutes les races... Toutes les rares confrontations avec les hommes rats se sont avérées courtes et violentes. Ils firent quelques incursions dans les cités humaines pour fouiller les poubelles en quête de nourriture et d'objets rudimentaires. Depuis qu'ils se sont terrés dans la forteresse d'Arx, ils ont lentement perdu le contact avec toutes les autres races et se montrent d'une discrétion exemplaire. Ouf, est-ce qu'on va tout lire? Je ne pense pas. Hein. Allez, il reste deux pages. Les nains ont une passion pour la mécanique et l'artisanat d'objets, ainsi que dans l'ingénierie. Ce sont également les meilleurs forgerons que l'on ait jamais vus. Ils vivaient dans les forteresses souterraines, bien avant que chaque race ne vienne sous terre. Ils sont les seuls à savoir construire des mines et les exploiter correctement. Ils font souvent commerce de produits minés avec les humains. Ils ont toujours eu des rapports détestables avec les gobelins et ils firent de nombreuses guerres dans le but d'éliminer cette race, mais sans succès. Une de leurs plus grandes mines fut choisie comme refuge pour l'installation de la nouvelle Arx. Ils aidèrent énormément à construire toutes les infrastructures de base sur place et conduisirent bon nombre de travaux, hormis dans la partie gobeline. Eux-mêmes habitués aux profondeurs, ils déménagèrent plus profondément sur la surface du sol pour continuer à exploiter leurs mines. L'origine des sœurs de l'Edernum est inconnue. Elles ressemblent à des hybrides de femmes et de serpents, leur peau est couverte d'écailles, on ne leur connaît pas de représentants masculins, on ne sait rien non plus sur leur mode de reproduction, elles ont une considérable capacité à utiliser et à manipuler la magie, faisant d'elles les meilleures magiciennes d'Arx. Selon certaines légendes, elles seraient d'ailleurs à l'origine de la magie, elles ont toujours été très proches de la race des humains. Les aidant à chaque moment difficile de leur histoire durant la migration, les sœurs firent le serment d'aider le roi des humains et firent pousser des plantes sous terre pour nourrir toute la population et le bétail. On connaît très peu de choses à propos des dragons. Toutefois, les érudits ont pu remarquer que chaque spécimen étudié présentait invariablement 4815 écailles. Intéressant. C'est marrant, ça. Connaître les dieux, on a lu. Eh bien, il reste plus que les grandes inventions, hein. À combien de pages? Allez. L'imagination humaine a toujours apporté de fantastiques inventions à notre société. Tout le monde se rappelle des gigantesques ballons gonflables propulsés à l'air chaud qui nous donnèrent de grandes capacités d'exploration. Ils nous donnèrent également d'un excellent système contre les invasions puisqu'ils permettaient une surveillance parfaite à des lieux et des lieux de distance. Une autre des plus fabuleuses inventions jamais conçues fut celle du bateau sous-marin. Ce genre de merveilleux bâtiment nous apporta de nouveaux moyens pour combattre les pirates et les flottes gobelines. Cela nous donna une supériorité navale durant la sombre période des troubles et des conflits. Le seigneur Marco, créateur de cette invention sans prix, est l'un des héros les plus reconnus de Arx. Mais la plus grande des inventions humaines reste sans conteste celle du royaume souterrain de Arx.
Ce n'est pas véritablement une invention, mais la reconversion d'une construction préexistante à la base, une ancienne mine naine avec une très performant système d'aération centrale. Bien que ce soit déjà une construction splendide, elle devint encore plus impressionnante grâce à l'agencement que les humains en ont fait. L'ancienne mine devint un véritable monde totalement autonome, utilisant tout l'espace disponible. Chacune des races connues s'est vue octroyer un niveau, conformément au traité signé en l'année 217. Ce royaume est la démonstration flagrante de ce que la volonté humaine peut accomplir. Ah, on a tout lu! Alléluia! Bon, il n'y a pas un panneau secret, là? Ah, je suis sûr qu'il y a un truc secret, là. Bah non. Bon. Il aime les images du nouveau monde, du monde greux. J'essaie de lui trouver un truc qui correspondrait, mais je trouve pas. Ah. Tête de poule. Ah, c'est quoi ça? Ah, sphère de soin, raté. Bon. Ok. Bonne nuit. Ti da di da di da da ti da. Du conseil. Je suis pas payé pour ce que tu fais. Oui. Chiant. Incroyable. Wow. Je crois que je vais commencer à prendre les bouquins en fait. La guerre ne meurt jamais. Bam bam bam. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Poulet avec la tête tranchée. Quand même! Ouvrez-moi! Serre, ouvre-moi! Ou le chasseur me tuera, lapin rentre, viens! Me serrer la main! Olé! Bam bam bam! Où est-ce qu'on va là? Et oui, un peu perdu, hein. C'est le petit poulet là qui a été tué. Bon, on se dit c'est pas grave. Il y a plus de poulet, mais c'est pas grave. Non? C'est grave le poulet? Bon, si le poulet c'est grave, on va trouver qui a tué le poulet. Hein. On va chercher qui a tué le poulet.
Qui est la toile au poulet? Oh, allez! Qui c'est qu'à toi le poulet? Et voilà la réponse. Toi le prêtre. Ferme ta gueule. Hérétique. Oh Michel! Hérétique! Sors. Entre. Rien sous le lit. On va aller voir le chef de la garde. Hein. C'est vrai. Quand, en termes d'équipement, je suis bien pour pas mal de temps. Chef de la garde. Qui est là? Quelque chose à apprendre sur ces rituels? Non, M. Chagar. Dommage. J'ai parlé à tout le monde. Ah, tant mieux. Ok, ok. Bah, j'hésite pas alors. Ah putain, tu veux même pas ça en plus, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il y a des poules, là. Qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame? Ah. Vous avez besoin de l'aide du guérisseur. Non, je ne suis pas malade. Je ne vais pas bien parce que ma petite famille a quoi et je ne sais pas où elle a disparu. Elle jouait de l'autre côté de la place, près de la bijouterie, et elle n'est jamais revenue à l'échelle. Quoi? J'arrive, je m'en occupe. Je vais m'en occuper. Retrouve ta fille. Deux secondes. Allez où? Tu m'as volé, bâtard! Est-ce qu'on veut pas le garder, ça, et au cas où le vendre? Ça, j'en ai déjà un. C'est des anneaux, on s'en fout. Bon. Franchement, j'ai envie de tout garder. Hein. Maintenant que j'ai de la place. Que nous avons trouvé une offrande précieuse pour notre dieu, nous allons pouvoir réaliser le rituel. Je vous attendrai demain à 10h près du pilier des serpents du niveau 4. De là, je vous guiderai à la chambre secrète pour appeler les 500 fils de la bête. Faites bien attention à ce que personne ne nous suive. C'est quoi les 500 fils de la bête là? Dégage là! J'ai que ça à faire, hein, te suivre, hein, niveau 4. On est déjà allé au niveau 4? Non. Comment on va au niveau 4?
Suite à de nombreux liens, il demandait d'éviter le voisinage de la crypte. Niveau 4. Niveau 4, mais niveau 4, j'y suis jamais allé, moi, niveau 4. Niveau 4, c'est le seul niveau auquel je suis... pas allé. Non. 3 non plus. L1, 3, 3, 1. Ça, c'est niveau 2. J'ai trouvé où était ta fille. Elle est enlevée, sûrement. J'ai eu le niveau 4. J'espère aussi, Bichette. Carlo, il me faut la clé. Donne-moi la clé de la crypte. Ah oui. J'ai vu qu'on pouvait sauvegarder. J'ai lu le... Voilà. On peut les sauvegarder comme ça. Donc on fait contrôle pour le lancer le truc. Et une fois qu'on a fini et tout, en fait, on appuie sur Shift et on relâche contrôle. Et du coup, ça le sauvegarde là. Sur le côté, en bas. Tire à l'os. Donne-moi la clé de la crypte, bâtard. Alors. Devient 4 quand vous lui ôtez le premier 2. Ah, va y avoir un code à mettre. Ok, combien? 400 pièces. On a combien? Encore beaucoup d'argent. Ouais. Peut-être que j'aille dans la chambre. Du gars, il y a peut-être un mot de passe à mettre quelque part là, parce que du coup ça correspondrait à, par rapport à la note que j'ai. Parce que vous ôtez le premier, ça fait 6 devient 4, ou 4 devient 6, je sais plus là, et du coup ça ferait un truc du genre. Hein. Qu'est-ce que t'as toi? Oui, c'est bien, Michette, bravo. Oui, tu l'aimes. Il n'y a pas de souci, tu aimes qui tu veux, je m'en fous. C'est pas le sujet n'est pas là. Tant que tu es heureuse, c'est le principal. Mais sois vraiment heureuse, c'est tout ce qu'on te demande. Et où Laurent? Laurent, j'ai besoin de la clé de la chambre de... D'accord. C'est pas vraiment ce que je m'attendais. Elle est où, machin, l'Incarnax hein. Fenor. Alicarnax. Voilà. J'espère que j'ai la clé. Et voilà, je m'étais trompé. Ok. Bon. Bon. Oh, allez. Aha ! Trouvé ! Alors, la note.
6 devient 4 quand vous lui ôtez le premier. Donc 2. Ensuite, le premier multiplié par le second fait le dernier. Donc 2 fois quelque chose fait le dernier. Et le dernier multiplié par le premier donne 16. Donc le dernier c'est 8 et 4. Perfecto. Alors, mais tu me les donnes les notes là, moi je les ai pas lues. Tibétain. On entend rien. On entend rien et puis on voit rien. Voilà. Le Noden. Sam. Est-ce que ce serait pas moi? Ce serait pas moi le gardien? Ah bah c'est peut-être moi. Merci.
Tiens. Oh, on n'entend rien. Qu'un être vivant n'est... Bon, j'entends rien, ça m'énerve. J'avais pas envie, mais bon, on va forcer. Ça fait un peu Star Wars, hein, quand même. Moi, je dis ça, hein, bon, vous avez tout pompé, hein? Arkane Studio, hein, Disney est pas content. Bon ben voilà. Tout est lié. On va aller parler là au grand maître. Tu coupes ta dans la gueule là. T'as parlé. Dis-moi la vérité, enfoiré. Qu'est-ce qu'il y avait ? Herzog ! Vous allez me dire pourquoi vous avez tué Phalanor Vitanax ? Êtes-vous le grand prêtre du culte ? C'est toi le grand prêtre ? Oh, pitié ! Ne me tuez pas ! Gardien de lumière, je ne suis pas un prêtre, je le jure ! Je n'ai pas tué Vitanax. J'avais juste espéré que ces rituels pourraient ramener ma femme à la vie. Il faut m'en dire plus, Herzog. Ils m'ont contacté pour leur dire qui vous étiez. Les prêtres m'ont dit ensuite que si je priais Agba, j'accomplissais des rituels pour lui, il me ramènerait ma femme. Mais c'était des mensonges. Oh, le pauvre. Ne me tuez pas. Je dis rien, j'aurais fait pareil. Mortel. L'accès au temple se fait par la porte en métal de la taverne de la tulipe jaune. Le mot de passe. Fat couple. Eh ben voilà. On y arrive. Fat couple. Peut-être que ça va nous donner accès au... Ça, c'est bon... Wow, wow, wow. Je le retrouve. Wow. Je vous l'assure. Assez. Notre ordre n'a pas assez penché de vos, sur vos pleurs ni chérisseurs des résultats peuvent maintenant vous sauver de notre déception. Je crois que ça bug là. Je vais mettre mes meilleurs hommes sur cette affaire. Très bien. Moi. C'est un peu confus. Quel était le sujet de cette conversation ? Écoutez, sans vouloir vous offenser, je crois que le mieux pour vous est encore de rester en dehors de ceci. Il s'agit d'une affaire intérieure au royaume. Ok. As you wish, sir. Je me fais interpeller par tous les dans tous les coins là. Mmh.
Ben, on va l'apprendre à ça au prochain stream. Ça vous bien, va bien. Ah bah non. On va savoir ça maintenant, du coup. Crystal clear. Thank you, sir. Je n'ai pas activé d'autres, c'est ça? Oh. Ah, attendez. Projectile magique, vision nocturne, sphère de soin, boule de feu. Champ de flamme, incandescence, fournaise. Voilà. Bon. Ben, c'est très bien comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Si jamais quelqu'un a suivi ce stream, en tout cas, tout ça sera en rediffusion sur YouTube.